أحاول التطفل. Je lance la VOD. Pour la suite, peut-être fin, peut-être dernière VOD, on va voir. De notre petite aventure sur Assassin's Creed Mirage, on n'a plus que ça à faire pour savoir qui est le chef de l'ordre ou la chef. Et là, on va aller fouiller le tribunal. Je sais même plus pourquoi, mais on va le faire. Normalement, je suis full en tout, donc ça c'est bien. Examiner le tribunal. Mais c'est là où je suis le tribunal? Mais non, c'est là-bas. Oh. Mignon ça. Mazalim. Les Mazalim sont tout près. Derwish m'a dit un jour que c'est là que la population pouvait faire appel d'un jugement injuste. Ok, cours d'appel, encore. Du coup, d'avoir du monde devant. Sans duel. Non, ça va. Du coup, je peux rentrer. Même avec mon téton. Mon père m'a dit un jour que pour connaître la valeur d'un homme, il faut interroger ses subordonnés. Ces juges doivent connaître le gouverneur mieux que quiconque. D'accord. Tu as entendu sa décision? Grotesque. Son interprétation est contraire aux écrits. Il m'a interdit de garder en pire délit de justice auquel j'ai jamais assisté. Preuve de toute corruption, toute preuve matérielle doit être conservée dans un local situé au-dessus du tribunal. L'argent lié au soudoiement en particulier doit être remis afin d'éviter qu'il tombe à nouveau dans de mauvaises mains. Ce tribunal a pour fonction de lutter contre la corruption et il ne doit pas en être la victime. Tout à fait. Bah regardez, oui, je m'en doutais, mais je voulais. Cet homme porte les ragots aussi éhontément qu'un marchand du souk. Ok. Les juges et le système judiciaire, c'est marrant ça que ce soit abordé. J'aime bien. Le caddie accusé s'est livré à de graves infractions à des fins personnelles d'enrichissement, de pouvoir, etc. Ce tribunal le condamne en conséquence à la perte de son statut de caddie afin que la justice retrouve un cours normal. Asif, ajouter des tailles et dates, nanana. Okay. Bon, on va parler. Salut à toi, Sayedi. Salut, Sayedi. Accepterais-tu de répondre à quelques questions au sujet du gouverneur Mohammed ibn Tahir? Répondre à des questions ne me rapporte rien. Si tu as une compensation à m'offrir, d'accord. Sinon... Oh putain, j'en ai qu'un jeton. Bon bah, je donne. De ce témoignage de gratitude de la part d'un humble sujet. S'il m'en faut à chaque fois. Fort bien. Pour commencer. Comment ça pour commencer? Tu es dur en affaires, toi. Beaucoup trop dur. Attends. Un rival a découvert des documents qui pourraient me faire comparaître devant ma propre cour. Apporte-les-moi et je te parlerai. Putain, j'ai donné un rejeton pour rien. Non mais vraiment. Mais ça dégoûte. Oh, je me suis fait extorquer. Bah effectivement, à full corruption. Bon, on récupère les preuves, super. Mais je l'ai pris ça déjà. Ah oui, bon, c'est pas grave. Ah mais je peux pas y aller. Bah du coup je fais quoi? Bah je reparle peut-être qu'il va me donner plus d'infos. T'intéresses-tu toujours au gouverneur? Tu es dur en affaires. Eh bien, comme je te... Je vais voir ce... Ils sont où les documents? Ils sont derrière la porte barricadée? Bah super. Oh, dans la sauce. Bon, il y aura peut-être une fenêtre ouverte ou une connerie dans le genre. On va regarder. Hey.
Je prends ça. Abou Abdallah devrait être jugé pour trahison. Un petit mal, pas un grand bien. Mieux vaut garder ça pour moi. Qui me laisse un goût amer dans la bouche. Bon, franchement, mon infiltration, pour dire ce que vous voulez, a été stylée là. J'ai trop géré. C'est l'épreuve. Bah, je veux bien, il veut pas. Oh, je t'en supplie, parle-moi. Oh, je t'en supplie, parle-moi. Ah. J'ai ce que tu m'as demandé. Bon, que sais-tu sur le gouverneur? Il est craint, respecté, dévoué à l'application du droit et de l'ordre. Quoi, c'est tout? Tu travailles ici. Et Mohamed Ibn Tahir siège à la cour. Ça pour ça? Celle de Shurta, pas au Mazalim. Il a des espions ici. L'un d'eux se rend à son bureau tous les jours à midi. Bon, maintenant, adieu. J'ai appris vraiment le strict minimum. Hein. Ça dégoûte. Ah, faut que j'attende que l'autre se débarque à midi. Ce messager pourrait me mener au bureau du gouverneur et au secret qu'il y garde. Mince, faut que je le suive. Je tombe bien dépensé. J'avoue, ça servit à rien du tout et c'était mon dernier. On peut me mettre à côté en fait, s'en fout. Oui. Je te suis pas, mec. Non, je déconne. J'ai manqué de patience. Demain, je devrais faire mieux. Oh non! Oh non, je... Je vais recommencer. Parce que je fais une avouac. Je voulais voir s'il réagissait. Go Cyril! T'étais parti dodo, t'y arrives pas? Moi, je mets du temps à m'endormir. Donc je comprends. Bah écoute, on fait une quête ou on doit suivre quelqu'un? Légendaire, super discrétion. Non mais il fallait que je teste! Fallait que je sache à quel point j'étais possiblement repérable, tu vois. Il est là. Voyons où tu vas me conduire. Allez, cette fois c'est bon. C'est fou hein, tous ces tas de fleurs qui doivent toujours nettoyer. On n'a pas le même type de poussière ici. Merci beaucoup Cyril. Je m'abonne, j'en mirai mieux. Trop mignon. Merci beaucoup, c'est adorable. J'espère que tu ne regretteras pas. Merci beaucoup, beaucoup. Tu dois te lever tôt demain? Enfin, tout à l'heure? C'est un peu sur le stream de l'insomnie ici. Faut avouer que ça se couche rarement très tôt. D'ailleurs, Catholis qui est dans le chat est outre-Atlantique, c'est pour ça qu'il peut me suivre jusqu'à très tard. 6h. Ah ouais, quand même. Ouais, dans. En 3h20. Ça reste pas beaucoup de temps. Hein. Tellement discrète. Et on fait 1, 2, 3 soleil. On fait vraiment 1, 2, 3 soleil. Bonsoir, stream de l'insomnie. Re, petit bloody. Ouh, ouh, je vais le perdre. Te voilà. Comme je m'y attendais. Ouais.
Je marche sur les fruits au calme. C'est sûr, il va se retourner. Il s'est pas retourné. J'ai rien dit. Oh, un dromadaire. Ouvre l'œil. Il se trame quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire, ça? Hey, pas de quoi ici. J'ai peur de perdre sa trace. Putain, il m'a repéré. Tumpen, je dois partir. Tout va bien. C'est passé nickel. J'ai paniqué. Je suis jamais parti 1h20 pour faire une maison. Pour rénover une maison brûlée et faire 4000 de ménef. GG Bloody. Exceptionnel. Personne t'a repéré, c'est bon. C'est bon. C'est réellement bon, pas de soucis. Ah, j'ai une zone interdite. Derwish m'a toujours dit que je finirais à la Shurta. Qui aurait cru que je m'y rendrais de mon plein gré? Je peux y aller ou il faut me dire de pas y aller? Tu crois qu'il sait? Pardon, j'étais pas sûr, fallait que je teste. Je connais pas. Même si je fais nymphe, ne jamais paniquer. Non, même si je fais nymphe, ne jamais paniquer, c'est plutôt non. Même si je panique, je ne fais pas nymphe, tu vois. En réalité, tout ce que je fais est prévu, à peu près, en fonction de la situation, tu vois. Ah mais je suis déjà venue ici, la chaud de temps. Je suis venue, il y avait un coffre, je pouvais pas le prendre. Ça me dit quelque chose en tout cas. Je suis peut-être jamais venue, hein. Peut-être mon cerveau malade qui invente. Ok, je vais faire un truc. Moi, personne d'autre. On passe. Il a rien vu, lui. Ouais, c'est chiant quand t'as des rubans partout autour des yeux, là. Tu vois rien, bah oui. T'as chouré encore. Mais non, c'est pas Shura, c'est Shurta. La Shurta, c'est pas pareil, je pense. Quoi? Je sais pas où je suis. Tu n'es pas là, mais je vais te trouver. Raté. Le bureau du gouverneur. Le coffre. Oh,
let's go. En fait, j'étais jamais venue. Trop bien. Bon, y a plus personne pour sonner l'alerte, mais mettons, y a encore quelqu'un. Voilà. Ah mais mince, je sais ce que je devais faire. Je crois que je devais faire appel à eux. Là, c'est galère un peu. Je devais faire appel à une diversion, je crois. Oui, hein, je crois que c'est complètement ça. Mais tant que je suis là, peut-être que je peux trouver une entrée, un truc. Oh, oh, il y a eu un truc. Ça fait ding. Il y a un mec qui a des clés, il est en bas. Ok. Tu n'es pas là, mais je vais te trouver. Une seconde, ça sera pas long. Ok. Hey, hey. Bon, ça va, ça se passe. J'aimerais bien au moins descendre. Pour atteindre celui qui a la clé. Qui est juste en dessous de moi. Je sais pas s'il y a moyen en vrai. On va voir. On va faire le tour correctement. Bon, de toute façon, ça se voit quand c'est des portes que je peux ouvrir ou que je peux pas ouvrir. Là, il y a des fenêtres, mais je peux pas les casser ni passer à travers. Là, il y a rien. Là, il y a des fenêtres tout pareil. Et là, c'est le coffre. Oui. Bon. Mais peut-être, à l'étage d'en dessous, y a-t-il d'autres possibilités, vous voyez? Nous allons tenter. Bah, en dessous, je sais pas comment... Comment passer? Ah, il faut que j'écoute une conversation en dessous. Oui, mais bah pour ça, moi je veux bien, mais. En fait, je peux pas rentrer. J'ai tué tout le monde pour rien. Encore une fois. Arrêtez de me poucave. Ah bah tiens, c'est bon. De l'autre côté. Ouais, il y avait moins de monde de ce côté-là. Trop tard. Ah, je l'ai pas vu. Bon, là, c'est pas grave. Hein. J'ai combattu certains de ces gens aux longs cheveux pâles. Mais par les vikings, je pense. Bah du coup en fait je peux pas. De l'autre côté, tu disais où de l'autre côté? Parce que tu vois ici il y a plein de gens. Ces chiens de grec sont rusés. Les lanceurs. Parce que là le problème c'est que les gardes que je dois écouter, je vois pas comment les écouter. Je vais me faire repérer. Étage du pilier. Ah merde. Je peux peut-être passer par là en vrai. Non. C'est que j'ai rien vu à l'étage intermédiaire, mais je vais essayer. Oh joli. Hmm. Et après je finis au-dessus. Bon, on aura essayé. Peut-être. Ah ouais, bien wesh. Bien wesh, catholique. Ah, je vais pouvoir les écouter du dessus, du coup. Ah,
Un sandwich au camembert, ça passe grave à 3h du mat. Oh oui, j'imagine. Oh oui, ça doit être bien ça. Oh, ça doit être bien ça. Moi, j'ai mangé un pépito. J'ai envie de trucs salés. Oh, c'est le bureau. Quelle folie dans les rues! Les hommes d'Abou Abdallah qui sèment le désordre, et en plus tous ces maudits rebelles. Le gouverneur y travaille. Ah oui, c'est vrai, faut que je chope la clé. Mon seul crime est d'être pauvre. Libère-moi de ces chaînes. Pitié. Pire crime, mon vrai. Faisant. C'est trop. Je n'en peux plus. Merci. Alhamdulillah. Fi amanillah, ya sadiqi. On va être tout pareil. Merci. Ça va faire diversion, du coup. Pas le moment, pas le moment. C'est bon, je l'ai éclaté lui. C'est écouter des gardes, mais s'ils meurent, je pourrais pas les écouter. Non! Ah oui, je suis repéré par tout le monde. Tu vas souffrir. Oh merde, tous les gars, ils sont morts, je crois. Oh non, ils m'ont tué. Non, mais ça, c'était sûr. Ça change des carottes de fou. Le truc à camembert, oui, je pense que ça change bien des carottes. Oh, punaise. Je viens de tuer celui qui avait des clés. Oui, mais je devais écouter les gardes, je pense, pour savoir où se trouve le bureau. Je pense. Je sais pas si je peux le trouver si j'écoute pas les gardes avant. Tu veux le finir cette nuit ou pas? Je pense, mais je sais pas. Là, je suis à là, en gros. Voilà, je pense qu'il y aura encore un truc là et après, ça sera ça. Je pense. Jusque là pour le moment, mon infiltration n'est pas oufissime, je crois. Mais je vais faire diversion, je vais pas m'emmerder à tuer tout le monde. Enfin, je le ferai de toute façon, mais plus tard. Est-ce que je peux faire diversion, remarque? Je suis même pas sûre. Ouh les copains, ça fait quoi? Bon, hello. Besoin d'une lame? Oui. Je te propose. Attaquez les gardes, please. J'attends tes ordres. Ça y est. Dans le rat. C'était comme ça que j'étais censé faire tout à l'heure, mais j'ai fait complètement autrement. Le gouverneur est rentré. Voilà. Je ne sais pas. Oh non, c'est quoi ce point de vue ? Oh, j'essaie de le tuer, ça va marcher. C'est qui a la clé ? J'ai entendu une ding. Ah, il est pas très loin. Oh, j'aimerais tellement. Impuissant. Vos repas sont-ils fades? C'était violent. Je sais pas ce que je fais. Mon seul crime est d'être pauvre. Bah, le problème c'est que si je vous libère, vous allez totalement foutre le bordel. Alors moi je veux bien, mais... Allez. Ensemble, on va la voir. Ah.
Saïdi, c'est trop, je n'en peux plus. Merci. Merci. Pas mal, mais ne baisse pas ta garde. Merde. Je sais ce que je vais faire. Non, non, non. À un moment, j'ai trouvé. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, oui, ça n'a aucun intérêt de les écouter, je suis totalement d'accord, ça ne sert à rien du tout. Ouais, la clé elle est là-bas, c'est juste que j'attends que la cohue soit terminée. Tu n'es pas là, mais je vais te trouver. Hey. Qu'est-ce que c'était ? Je renifle les ennuis à un baril de distance. Il veut pas. Hey, qu'est-ce que. Je vais te faire taire ! Normalement, je peux enchaîner un deuxième kill juste après, ça a pas voulu. Ça, je comprends pas. Pourtant, j'ai ce qu'il faut. Bon, j'ai la clé. Faut que je monte. Ce quoi aura moins de chance la prochaine fois. C'est plus haut. Ok, ok. Ça marche de se fondre dans le décor, à votre avis, quand on est en infiltration? Pas sûr. Ça va être dingue. Merde. On n'a pas eu d'alerte. Je peux passer, ça c'est bien. Du coup j'ai la clé, maintenant c'est bon. Le bureau du gouverneur ici? Il y a encore écrit trouver le bureau du gouverneur. Hein? Enfin, ah d'accord. Le bureau de Mohammed ibn Tahir. Avant. J'interagis avec tout. Le fameux. Ah, petite chute de FPS. Le fameux poème Océan qu'on a déjà vu. Désert, Cobra, Colombe. C'est apparemment un admirateur d'Arib la poétesse. Il y a un lien entre tous, de toute façon. Le gouverneur traque les rebelles. Et la carte, on avait déjà vu ? On ne voit pas. Tiens, on voit un peu les mêmes indices, hein. Cousin Taroka, tous les accords avec Alamut sont par la présente caduques. Notre engagement de protection est révoqué, notre offre d'asile annulée. À la demande du gouverneur, les Tahiris ont accepté de retirer leur protection à Alamut. Une trahison envers ceux qu'on ne voit pas. C'est le cœur lourd que moi, Abou Machin, jure allégeance au calife régnant et renonce à convoiter le trône de son vivant. Ça y est, je me doutais qu'il allait venir. Tu peux toujours dire à tes maîtres que j'ai fait faire des copies. Si tu déchires cette page ou me tranches la gorge, l'accord demeurera. Mes maîtres. Oui, fais pas genre. L'ordre des... je ne sais plus quoi...
N'es-tu pas à leur service? N'es-tu pas toi à leur service? Je sers le califat et Allah. Ce que je fais d'ailleurs sans cacher mon visage. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Pourquoi donnais-tu des ordres à Wasif al-Turki? Ah, c'est peut-être un mec qui est de notre côté en vrai. Cette brute attisait le feu de 1000 rébellions. Fort heureusement, quelqu'un m'a épargné le soin de le mettre. C'est toi? Non, c'est toi. Non, c'est toi en fait que traite. Mais non, c'est toi. Mais non. Est-ce toi que je dois remercier? Non, c'est toi. J'ai lu ton courrier. Tu as contraint tes cousins à retirer leur protection à Alamut. Tu nous as vendus à nos ennemis. Et acheté la paix pour Bagdad. Tu t'es déjà procuré l'acte d'achat, d'ailleurs. Le serment d'allégeance d'Abu Abdallah. Que vient-il faire dans cette histoire? Son ambition aurait déchiré le califat. J'ai offert Alamut à l'ordre, qui m'a donné l'assurance qu'il ne nous menacerait plus. Alors, pour piéger un renard, tu libères un loup. L'ordre fera brûler Bagdad, gouverneur. Et l'histoire te jugera. L'histoire peut bien me pendre. Je quitterai ce monde en sachant que le compromis réclame du courage. Il est aussi plein de lâcheté. Quel âge as-tu? 20 ans? J'avais à peu près ton âge quand je suis arrivé dans cette ville. Je dirais un peu plus, quand même. Vertueux comme personne. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai grandi. Oh, il a dit d'être un gamin. À sauver Alamut. Retourne cette lame contre tes ennemis. Donne-moi leur nom. Livre-moi celui avec qui tu as conclu ça. Je pourrais, oui. Mais si tu échoues, j'y laisserai la vie. Et je préférerais la garder. À présent, j'ai du travail. Sans rancune, mon ami. Une petite trentaine, là. Ouais, je dirais plus ça, ouais. Je suis... Finalement, je me retrouve quand même à m'enfuir de la Chouta. J'aurais dû ouvrir avant, peut-être. Allez, descends, s'il te plaît. Ah, je peux sauter là-dedans. Qu'est-ce que c'était? Ça venait du tas de foin. Ouvre l'œil. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je suis très repéré là. Je dois faire Chourta. Je dois faire Chourta. Je peux pas me fondre. Zut, ils m'ont repéré. Je devais être anonyme, mais quasi. Je vais pas aller par là. Non! Qu'est-ce que je fais là? Je fuis très mal, hein. J'aime bien comment il court avec ses petits couteaux. Mais ils m'ont pas vu. Il y a des gardes partout, qu'est-ce que c'est que ça? Ordre ou pas, le gouverneur Mohammed n'est pas l'allié de ceux qu'on ne voit pas. J'en ai assez appris sur mes trois suspects. Il est temps d'aller demander conseil à Roshan et d'en finir une bonne fois pour toutes. Il dit ça à haute voix dedans et du coup on entend, c'est un peu étouffé. Il est temps d'aller demander conseil. Indétectable. Je trouve aussi. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Faut que j'enlève des affiches. Ce torchon est tout sauf artistique. Voilà. Au moins un, c'est bien. Where is the next step? Faut que j'aille voir Roshan. Let's go. Sur le chemin, je vais peut-être trouver des affiches. Naina. Hey, c'est toi qu'on voit sur les affiches.
Quelle affiche? Genre celle-là? Mytho. Vigilant. Pas les enfants, mais je fais rien aux enfants, ça va, je suis pas une dégène, hein. Mieux vaut rester discret. Voilà. Ça c'est fait, c'est tout. Allez, on monte. Je pense, oui. Salut Rochin, non, ça s'est super passé. Tu as l'air résolu, Basim. Qu'as-tu appris? Harib est innocente. Comment tu l'échappes? Gouverneur, un peu moins. Oh, le téton. Il a passé un marché avec l'ordre et privé Alamut de la protection de ses cousins. Taban. C'est ce que nous craignons. Être livré à nos ennemis. Oui. En échange de la renonciation d'Abu Abdallah au trône, il laisse sa couronne au profit de l'ordre, qui est dirigé par... Sa mère. Kabiha est la tête du serpent. Où est-elle en ce moment? Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas vue. Au palais. En agissant vite, on peut sauver Alamut. Remets-moi la plume, maître. C'est promptement que la justice frappera Kabiha. Et c'est moi qui l'exercerai. Quoi? Il va avoir le qui final. Que dis-tu, maître? Qu'une main plus aguerrie est nécessaire. La dernière fois que tu es entré dans un palais, tu l'as quitté pour le moins... désemparé. N'ai-je pas fait mes preuves depuis? Maître, j'ai mérité le droit de... Quel droit? Elle va crever, oui, je pense tout à fait, oui. Hein? Non, ce n'est pas... Le coup porté par l'un des nôtres est porté par nous tous. Ton ego deviendrait-il bouffi d'orgueil? Qui s'est fait là, l'autre? Ce n'est pas mon ego, maître. C'est le devoir. J'ai juré de quitter mon ancienne vie, de marcher dans l'ombre et de servir la lumière. J'entends bien le faire. Bah oui, l'autre, c'est nial. Dangereuse que ces hommes. Frappe vite et mets fin à tout cela. Ouais, ouais, c'est ça. N'hésite en aucun cas. Oh. Aussi tendre qu'une pierre. Qui est-elle pour t'empêcher de tuer Kabiha? Ou te dire quand frapper? Mon maître est Mentor, sans qui je serais mort il y a longtemps. Un cadavre dans les rues d'Anbar. Mais d'où elle m'a retrouvé, elle? Maintenant? Constamment, oui. Ah, d'accord. Tu contravalais tes questions? Frapper ses ennemis et obéir sans broncher? Oui, c'est ce qu'il fait tout le temps. Et vivre ta vie sous l'emprise d'un djinn, dans la masure que tu espérais quitter? Viens me chercher quand tu auras accompli ton devoir. Tant de gens sont morts ou ont disparu. Et toutes les traces de sang remontent jusqu'à toi. Al-Bahamut, le dernier masque à lever. Poupou, comment il vient de te tacler. Tu as lancé poissif contre les rebelles, soutenu de le tacler. Vendu la couronne de ton fils pour t'emparer d'Alamut. Il est pas... Tout cela, pourquoi? Un pas fou l'échange. D'une époque oubliée. Le dialogue. Peu importe, je te trouverai au palais. Je trancherai la tête du serpent. J'ai oublié de paraître ma tête. Kabiha, la dirigeante de l'ordre ancien, a fui ses appartements au harem pour se cacher au palais du calife. Compte tenu de la manière dont le calife précédent a perdu la vie, les lieux sont probablement bien gardés, mais peut-être Kabiha a-t-elle confié certains de ses secrets à quelques élus. Trouvez-les-moi un d'entre eux. Oui, c'est parti. Montre-moi ce que tu vois.
Je sais pas ce que je cherche là. Aucune idée. Ou un truc apparemment. Aucune idée de ce que c'est. Rends atteint maître. Oh punaise, il rend maître. Ou un jeu. Ah, il y a une manif. Maman, Ali a décidé d'attaquer quand même le palais. Ah, c'est Ali qui est là. Pour distraire les gardes. Allez-y, distrayez les gardes, please. Porte barricadée. Ah, faut que je débarricade la porte. Ok, je compris, je compris. Et là-bas, une entrée secrète. Cassez-toi, toi aussi, la petite, toi. Attendez, elle est où l'entrée secrète? Elle est là. Oh, d'accord. Entrée secrète. Il y a quelqu'un qui parlait à côté de la porte? Ah ouais? Attends, j'y vais. Casse-toi, toi aussi. Et toi, va-t'en, et toi. Ah oui. Toi, celui qu'on ne voit pas, tu penses pouvoir nous aider à franchir ces portes? C'est de l'intérieur qu'elles sont fermées. Nous sommes les avides de combattre, mes frères. Je vais voir ce que je peux faire. Oui, d'accord. C'est bon, je peux m'en aller. Salut, Zelkonico. J'ai l'impression que les jeux sont bonnes. Je suis pas la mieux placée pour, parler d'Assassin's Creed, puisque j'en ai pas fait beaucoup depuis les deux premiers. Mais j'ai bien aimé qu'il soit plus simple, le jeu est plus court. En silence. Mais je comprends qu'il puisse décevoir pour ces deux raisons aussi. Voilà. En gros, faut savoir qu'on est sur un Assassin's Creed un peu épuré. Moi ça me va. C'est pas le cas de tout le monde, ce qui se comprend. Et l'histoire a pas incre. Donc voilà, moyen, en vrai moyen. Les impressions sont moyennes. Je conseillerais plutôt, si on veut y jouer, de prendre le pass Ubisoft un mois plutôt que d'acheter le jeu. En gros. Oh, attendez, je peux faire ça. Ouais, bon après moi j'aurais plus mis 30 heures en vrai Sam. Et pourtant j'ai pas tout fait à 100%, donc je pense qu'il y a des gros rushers. La porte est barricadée, mais je peux pas la débarricader? Comment je fais? Tu m'as vu? Non, je suis trop discrète. Comment je fais pour l'ouvrir la porte si je peux pas enlever ça? Ah mais ça c'est beaucoup trop lourd. Je sais pas ce que je peux faire. Ah, Beyond Good and Evil, oui, je comprends. Peut-être qu'on verra la suite popper un jour, hein. Peut-être. Non, moi, le jeu Ubisoft qui m'intéresse cette année, c'est surtout... m'intéresse. Où je suis très curieuse, ce sera surtout le jeu Avatar. J'avais pas vu qu'il y avait un mec là. Oh, si je fais ça. Voilà. Je sais pas comment ouvrir le portail. Et comment je fais ça, moi? Je veux bien... Ah, faut que je casse des trucs, peut-être. Ça a l'air cool, ouais. Sans savoir à quoi m'attendre, hein. Peut-être que... Ah, oui, d'accord. J'aurais dû essayer avant. Mais je voulais nettoyer un peu la zone. Non, t'as rien vu. Tu t'as fait n'importe quoi, toi, hein. Pas fou. Ok, les rebelles essayent de pénétrer de trucs, machin, c'est cool. Ils foutent un peu le bordel en tant que typical rebelle. Nous, on va pouvoir en profiter.
Et vous, ouais, vous réagissez pas, quoi. Oh, y a un truc à observer là-bas. Bah, j'y vais. Je m'emballe plus pour rien maintenant. Moi aussi, je m'emballe. Mais après, c'est pas pour autant que j'en attends des caisses, tu vois. Juste en mode, oh, ça va être cool. Tu vois, c'est un petit emballement. Un emballement nouné. Une minute. Toutes les sorties de cette année, déception. C'est parce que t'as pas le joué à Tears of the Kingdom et Baldur's Gate, toi. Un peu de musique serait la bienvenue. Et elle attirerait les gardes. Ah. Tu joues délicieusement. Alan, Saïdi, je crains que tu n'arrives un peu tôt. Je ne fais que m'échauffer les doigts. Il me semble bien assez chaud pour régaler les oreilles de ces gardes. Oui, peut-être. Mais pas pour rien. J'ai pas ce qu'il faut. Une autre... Un peu de musique serait la bienvenue. Et elle attirerait les gardes. Ouais, ben... Baldur's Gate, c'est pas mon genre de jeu. Ok. Non, moi cette année, j'avoue que j'étais contente niveau jeu. J'ai plutôt eu des bonnes découvertes. Et un jeu que j'attendais qui est trop bien. Alors honnêtement, moi je suis contente. Les serviteurs vont où ils veulent. Cet homme pourrait m'aider à ouvrir certaines portes. Mais bon, ça dépend sur quelle plateforme on est, quel est notre type de jeu préféré, machin. Ça dépend de plein de choses, évidemment. Restez calme. Coucou. Bon, d'accord. Ah oui, parce que je suis toujours pas... Punaise, mais je suis toujours en mode recherché. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Faut que je tue le garde qui me recherche, c'est plus simple. C'est bon. L'air est si lourd aujourd'hui. Nous vivons des temps bien difficiles. Et très inhospitaliers. Dis-moi, ne devons-nous pas honorer l'invité comme il se doit? Absolument. Tu demandes une pupille, mec, ou quoi? Il a été tué dans son palais d'hiver. Et la sécurité a été renforcée. Je vois ça, oui. Partout où je vais, ce ne sont que regards soupçonneux et portes closes. Bon, c'est mon dernier jeton. Cela permettait de les ouvrir. Si seulement. Putain, mais comme d'hab, à chaque fois je me fais avoir. L'hospitalité se perd, en effet. Faut j'arrête de donner mes jetons, hein. Non mais vraiment, je donne mes jetons. Mais le jeu, il est en train de m'arnaquer. Je passe mon temps à donner des jetons pour rien, et après quand j'en ai vraiment besoin, j'en ai plus, putain. Et ça rend ouf. Qu'est-ce qu'il faut que je foute? Soudoyer le nuque. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Me revoilà. Ah, oui. Trois jetons. L'hospital. Jamais. Jamais, jamais. Oh. Cherche à mon entrée. Mais je suis déjà entrée. Ah. En ouf. Hmm.
Bon, je vais escalader, hein. T'as une voix supportable. J'aurais juste pu suivre les rebelles. Ah bon? Mais ils sont morts, non? Moi, je les vois plus, les rebelles, sur ma map. Ah merde. Allez! Toujours mieux que d'être en poste sur le pont grec. Moi je veux plus les rebelles, je pense que c'est mort. Je pense qu'ils sont morts. Ah si, je les vois là-bas. Ok, je vais tenter. Tu les as abandonnés. Attends, je vais essayer. Allez, descends, je t'en supplie. Merci. Ouais, c'est possible. En fait, je pensais que c'était juste pour rentrer et puis qu'après, c'était bon. Mince. Ouais, ils se font éclater, hein. Merci. Oh, c'est bon, ouais. Oh, regardez, ils sont tous à... Faut que je les heal tous. Ouais, je les ai totalement en fantôme. Désolé. Pas fait exprès. Désolé. Merci. J'aurais pas dû les laisser de côté, je crois. Ah non, c'est bon, ça dégage. Mais je vais te trouver. Ah oui. Ah oui, du coup toc toc toc. Voilà, faut que je les fasse entrer de toute façon. Ok, ok, c'était rigolo. C'est très marrant. Arrivé. Oh non, je pensais pas qu'il allait faire de si loin. C'était une bête. Oupsie. Oupsie de fou. Plus vite. Plus vite. Tu ne survivras pas. Un mouton de crête. J'ai plus de vie. Allez. Non mais... Oh non. Non, n'appelle pas à l'aide. Attendez, je vais arriver. J'espère qu'il n'a pas appelé à l'aide. Je vais vérifier. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Oh, quelle galère. Allez, cours! Je sais pas par où rentrer. On va essayer par là-haut, hein.
Je sais pas par où passer, ça me rend dingue. Ah, par là apparemment. Oh, ça c'est cool. J'avais bien besoin d'un coffre comme ça, c'est cool. Pas ouf niveau cache-cache. Non, j'ai sifflé. Non. Aucune idée de pas en passer. Oh. Peut-être que par ici c'est mieux. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est tout ripou. J'ai pas quoi. Ah oui, bien sûr que les dialogues sont scriptés, évidemment. Évidemment. Une minute. Bon, bah on va tenter enfin, par là. Reste à trouver Kabiha. Et à sauver Alamut. Enfin! Oh punaise, j'y croyais pas. Où ça, Ding? Où ça? En dessous de moi? En dessous de moi. Merde, c'est pas une vraie porte? Et oui, j'ai plus de jetons parce que je les donne à tout le monde parce que je me fais arnaquer. C'est marrant. Mais du coup ça me sert à rien cet endroit. Mon perso il a dit une ligne de dialogue en mode enfin je suis au bon endroit et en fait non pas du tout. Nice, pas du tout bon endroit. Je suis un peu vénère là j'avoue. Ah, peut-être par là. Porte qui s'ouvre pas et porte qui s'ouvre pas. Il y a un coffre que je peux pas ouvrir, effectivement. Mais je préfère l'entrée au coffre que je peux pas ouvrir bizarrement. Tu reviendras. Et là j'en viens. Mais putain, mais je pète un câble un peu là. Je dois passer par où? Le personnage me fait vraiment une ligne de dialogue en mode c'est bon, j'ai trouvé. Et c'est faux. À quel moment? Ah, c'est un truc à péter. Les hurlements qu'on entend. Il n'y a pas d'autres escaliers. Mais je suis là pourquoi? Oh, j'en peux plus. Symbole de passage. Mais non, c'est enfin, je pense pas, je crois que c'est là d'où je viens, mais je vais essayer, mais... Et bisous Sam, à tantôt. Oh punaise. Merci, oui, d'accord, j'étais pas sûre.
Les rebelles d'Ali, ils sont aux portes. Je le fais! Ouais, je vais leur ouvrir, ouais. Il est temps de filer. Ok. Allez. Ouais. Quel enfer. Attendez, on a peut-être plein un res. Non, ça a l'air d'être bon. Bah allez-y, hein. Allez-y, les copains. Oui, j'ai tout buté déjà. Ce ne sera pas long. C'est qui le king? C'est lui. Tu vas souffrir. Allez, bah terre. C'est bien. Viens jouer avec moi. Tu te fatigues? Fais attention à ton maître. Je crois qu'ils sont morts, les rebelles. T'es en vie ? Je vais t'écraser, insecte. Il y en a qui sont encore en vie, hein, c'est fou. Merci. Eh ben, bon courage les gars. Je crois en vous de fou là. Et du coup, il faut que je cherche la cachette de machine. Et elle m'a permis de tuer le chef de la garde de Kolamdin en 23. Par ici, allez. Oula. Forcément une cachette ça, hein. Je vais être anonyme, moi, c'est bon, je le suis. Barricader de l'autre côté, évidemment. Comme toujours. Bon, peut-être que de l'autre côté, il y a moins de faire un truc. Donc on a un raccourci. Pas l'impression. Peut-être par le dessus alors. Oh oui, j'avais pas vu. Nice. Oh, let's go. Où est ta mère? As-tu seulement la moindre idée de qui je suis? Où est Kabeha? Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas vue depuis qu'elle m'a fait renoncer à ce qui me revenait de droit. Où se cache-t-elle? Réfléchis. Il y a un passage, dans la bibliothèque. Je l'y ai suivi une fois. Elle a utilisé l'un des livres. Mmh.
Elle s'y serait réfugiée pendant que j'ai subi la prison et les humiliations, les menaces de mort et... Je te connais! Tu étais présent cette nuit-là! Tu tenais cet objet en main! Et mon père... Oh, c'était lui! C'est vrai! Cette lumière, ces voix... J'ai cru que j'étais fou, comme tout le monde. Tous, sauf ma mère. Elle... Tu vas la tuer, elle aussi? Ne t'arrêteras-tu que lorsque nous serons tous morts? Peut-être. D'abord l'érudit, ensuite Kabea. Les membres de l'ordre aiment se cacher parmi les livres. Je laisse se démerder. Les survivants. Alors que tout se passait bien, je vais donc avoir besoin d'une clé. Oh. Il y a qui en bas. Les serviteurs vont où ils veulent. Mon Dieu, cet homme pourrait m'aider à ouvrir ça. Par réflexe, j'ai voulu le buter. Ah, oui. Tu as changé d'avis? Hein? Mais non, mais je peux pas. L'hospitalité se perd, en effet. Bonjour à toi, Sayidi. Les serviteurs vont où ils veulent. Cet homme pourrait m'aider à ouvrir certaines portes. Non, mais je suis vraiment obligée de partir maintenant? Mais c'est honteux. Quoi? Je vais te faire taire! Tu peux vraiment pas le tuer ou le détrousser? Oh punaise, non mais sérieux! Je vais t'obliger d'aller chercher 3 jetons? D'avoir une autre clé, oui je pense quand même, c'est abusé là. Parce que t'es un putain d'arnaqueur. Ça marche à tous les coups. Je ne sais pas combien de fois. Il doit y avoir quelque chose d'important à garder pour qu'on soit aussi nombreux. Et je ne vois pas quoi. Faudrait être fou. Une serviteuse. Tiens, tiens, ces rencontres deviennent trop fréquentes. Oh, j'espère qu'elle va m'aider. Je suis bien de ton avis. Où est Kabeha? Si je le savais, je ne te le dirais pas. Ne joue pas les idiotes, Makera. Pourquoi? Ça a bien marché la dernière fois. Est-ce que tu sais où est Kabeha? Où est-elle vraiment? Je le sais plus que quiconque. Et je suis davantage un enfant que son propre fils. Un crétin qui a laissé mourir son père devant ses yeux. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Moi, si. Et je te le dis avec bonté. Quitte cet endroit. Quoi? Oh non, vraiment? Il est pas... Comment est-ce que je la corrompe? Mac va avertir sa maîtresse. Voyons jusqu'où elle va. Ah, faut que je la suive. Je ne dois pas la suivre de trop près. Putain. كما لو كانت
آلاف الأسماك الصغيرة تسبح على Oh oui, c'est foutu en fait. Jamais elle, elle arrêtera de me regarder quoi. Elle m'a vu. Je ne dois pas la suivre de trop. Mais j'essaie de partir sauf qu'elle vient en face. Ok, faut que je sorte. Je me cache. Elle va pas du tout prévenir sa maîtresse en fait, hein, c'est du mytho. Hein. J'ai hâte d'en avoir fini ici. Ensuite, j'irai au Khandak Tahir, pêcher à la lance, près du Nardijla. La bibliothèque. Kabeha doit y être. La'natallahi alayk. Tu ne peux pas me laisser tranquille. Toi, avec plaisir. Ta maîtresse. Fais ce que tu veux. Tu ne la trouveras pas. Et ne compte pas sur moi pour t'en dire plus. Il doit y avoir une salle derrière celle-ci. Mais comment l'atteindre? Comment elle s'en fout la meuf? Arrive déjà. Encore le... De nombreux volumes d'Arrive. Enfin, la poésie, la même. L'admiratrice. Des livres bleus, noirs, blancs et jaunes. Le grand érudit employait des livres pour le guider vers ses secrets. Oh, il y a des signes aussi. D'accord. Du coup, c'est la poésie dont il faut que je m'inspire. C'est océan, désert, cobra, colombe. Et du coup... En quoi ça m'aide? Ok, il y a des symboles, ok. Je regarde. Je vois pas trop en quoi ça m'aide en fait. Moi je commence par l'océan. Quel livre pourrait bien choisir Kabeha pour marquer son passage? Elle avait ce livre d'Arib dans son bureau. Océan donc bleu. Imagine, hein. Désert jaune. Cobra, c'est noir. Si c'est dans le bon sens, hein, j'espère que je suis dans le bon sens. Peut-être pas dans le bon sens.
On va espérer que oui. Ça, c'est Colomb. Ça va, ça va, ça va. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour cacher cet endroit. Ce qu'on ne voit pas. Faut que je la poursuive. Ouh. Tant d'années passées à chercher. À fouiller livres anciens et oui, c'est vrai. À résumer des récits oubliés. À scruter les rumeurs et les mythes. J'avoue, je l'ai pas fait. Pourtant, alors j'y ai pensé. Il suffisait d'attendre. Non mais vraiment, mec, tu la vois pas alors qu'il y a un peu de vapeur. Que toi, tu viennes jusqu'à moi. Et il a gardé la lame. Dag contre Dag. Le fils prodigue est arrivé. Mais il ignore encore ce qu'il est. Ne t'es-tu pas interrogé sur ta nature? Toi, qui vois davantage. Elle est très classe cette scène dans la brume. Même mon fils s'est enquis de ta nature. En voyant ta main toucher et éveiller le présent des anciens. Ah. Que suis-je? Tu es plus qu'un homme. Tu es de l'élu. Assez d'énigmes! Parle clairement! Pourquoi décrire ce qui peut se montrer? Viens avec moi à Alamut. Sous les murs de son temple se trouve le savoir dont toi seul es l'héritier. Tes prétendus frères préféreraient mourir à te voir t'en emparer. Mais n'aie crainte, Basim. Nous allons préparer le chemin. Show me the way. Et te libérer. Non ! Naël. Génial. Oh non, c'est la chef. Quel poison as-tu léché sur ses lèvres ? Elle a dit que j'étais plus qu'un homme. Qu'a-t-elle voulu dire, Roshan? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du temple? Ce lieu est interdit. Il n'y a rien pour toi là-bas. Je t'ai parlé des cauchemars, du djinn. Et tu m'as traité de faible, m'as dit de résister. J'ai essayé maintes fois, mais tu as caché le moyen. Tu m'as laissé lutter seul. Non, pas seul. Tu n'es pas le premier homme brisé à marcher parmi les ombres, Basim. Rassemble tes morceaux et raccommode-les. Ta peine, verse-la dans la confrérie. Purge-toi du venin de cette femme et reviens auprès de nous. Pas plus qu'un homme, mais rien de moins que notre frère. À moi... que cela ne te suffise pas. Et si c'est le cas? Suis le chemin qu'elle t'a tracé. Et moi-même, je te tuerai. Pourquoi elle veut pas qu'on sache? Pourquoi elle veut pas nous le dire? Elle veut le téton. Give me the téton. J'y vais tellement tout de suite. Si. Que j'annonce à Nihal ce que j'ai appris. Excusez-moi. J'ai plein de points de compétences. Je vais pouvoir en rajouter full. Garde ! Garde ! À moi ! Attendez, je prends les points de compétences. C'est ça que je veux. Oh, je...
peux me TP ? Oh, ce serait un peu de la triche. Non, ça va. Faudrait que j'aille où ? Et oui, la face avec Nial. Et c'est où ceci ? Faut juste que je sache. Fuir le palais. Bon, bah on verra. Oh, je suis dans la sauce. Putain, mais j'arrive pas à esquiver. Allez, cours, s'il te plaît, il veut pas courir, j'en peux plus. J'aime bien le PNJ qui dit tout de suite, bon, il n'y a plus qu'à repartir. J'ai à peine fait 3 pas. Je me suis à peine éloigné. Une fois encore, j'en suis sorti vivant. Et elle a laissé le chaos derrière moi. Oui. On venait à la cachette. Ok. Mais avant, j'aimerais bien choper un négociant. Mince. Je vais pas mettre mon point là-bas. Ah bah si je peux, ok. 7 points, oui. Mais bon. J'ai toujours pas pu avoir... J'avais des points de retard, alors j'ai pas pu avoir le truc. Sous mes pieds. Il faut que je retrouve un sol plus ferme. Oui. Rentrez chez moi. Retrouver Nihal. La ferme ? Je sais même pas si elle rigole ou si elle pleure. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va pas, non ? J'ai eu petit sa gueule, hein. Vas-y ! Tu me regretteras un jour. Moi, je me fais engueuler parce que je mange des baies sur un buisson. Beaucoup trop abusax. Je suis très recherché, non ? J'ai connu pire. Hé, c'est toi qu'on voit sur les arbres. Non ! Il faudrait que j'aie des affiches aussi, je l'ai pas fait ça. Bonjour. Ravi de te voir. Bienvenue à toi. Qu'as-tu à vendre ? Je t'en prie. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Merci de nous avoir choisis. Voilà, c'est bon. Je pars. Et oui, mais le problème c'est que les affiches à arracher, moi je veux bien, mais dans le coin, il y a des affiches déjà arrachées, du coup ça marche pas, si. Hey, halt ! J'ai déjà vu ta tête. La ferme. Ah, c'est lui. Voyageurs, revenez-vous du bazar chargé de marchandises. Vous demandez à lui. Comment les mener à bon port ? La Chourta cherche à m'attraper. Un peu de répit serait le bienvenu. Sois tranquille, l'ami. J'ai fait quoi ? Je suis plus recherché d'un coup. Je comprends pas, hein. Marche pas, hein. Saleté, reviens te battre. Viens avec moi. Tu peux compter sur Cherchez moi. Cherchez partout. Compris. Habitant. Ce n'est qu'une question de temps. Montre-toi et meurs avec honneur. Bon, laissez-moi partir. Sachez qu'un nid de cobras s'entend contre votre aventure hors des murs. Soyez vigilants lors de vos... Un nid de cobras. Il y a une affiche ici ? On voit une ici, sur la carte. Il faut que je fasse disparaître ça. Je vais te trouver. On
Bon, c'est bon, hein. Allez. Allez, allez, on va voir Nihal. Très curieuse de connaître le rôle de Nihal depuis le début, quand même. C'est un peu le seul personnage où je me dis, tiens, passe Basim, des trucs. Tout va bien, Basim? Je ne sais pas. Tu avais raison, Nihal. Mon ennemi, Kabiha, elle détenait les réponses. Et qu'as-tu appris? Que je ne sais pas tout sur moi-même. Une vérité que Kabiha a tenté de me dire, que mon maître a cherché à cacher. Et cette vérité se trouva à Alamut. Alors partons pour Alamut. Je vais achever le voyage de Basim à Alamut avant de regagner Bagdad. Pas de soucis. Mais j'irai seul. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi en sûreté. Je ne crains rien avec toi, et vice-versa. Je risque de ne trouver que le danger et la mort. C'est mon destin, et je ne m'en détournerai pas. Mais toi, tu n'as pas à l'affronter. Là où tu vas, je vais. Où tu reposes, je repose. Je marcherai derrière toi, à chacun de tes... Tu n'es jamais seul. Désolée, j'ai passé, c'était... Nous ne quitterons Alamut que lorsque tu auras les réponses que tu cherches. Oh, cinématique. Love story, ouais, un peu, voilà. Oh, je suis pas en dromadaire. Mon cheval, il va avoir trop chaud au dos. Super, ils ont épuisé leur cheval. Pourquoi cette tenue sans téton? Tu m'étonnes qu'ils galèrent. Oh non, mais l'eau elle est pas buvable. Nihal, Roshan. Oh, mais pourquoi elle était en tenue sans fioriture là? Et pourquoi moi je suis en tenue sans fioriture? Pourquoi on a tous des tenues sans fioriture? C'est pas bien la fioriture. C'est toi la fioriture. Pas l'accueil auquel tu t'attendais, hein? Au moins, tu as eu la chance d'être ailleurs lorsque les Taïrides sont venus nous voir. Que s'est-il passé? Je crois qu'Alamut ne soit tombé. On m'a envoyé chercher de l'aide. Je suis parti dans le désert à la recherche de patrouilles, puis je t'ai trouvé. Est-ce qu'il y avait d'autres gens avec moi? Non, rien que toi. Alors Nihal est en vie. Et Roshan? Roshan, ouais. J'espérais qu'elle serait avec toi. Viens, frère. Nous devons partir. Chercher les rescapés. Et nettoyer Alamut de cette vermine. Je crains de ne pas pouvoir. Oh putain, une transhumeur de son. C'est grave. Regarde le son, mec. Je vais les faire payer jusqu'au dernier. La vengeance n'est pas notre voie, frère. Quoi?
Tu te vides de ton sang et tu t'accroches toujours à ce dogme imbécile. J'aime bien qu'il réalise. Notre credo n'a pas su défendre à la moute. Et moi non plus. Dis-moi. Mais c'est grâce à nos croyances que tu respires encore. C'est pourquoi tu dois sauver ceux d'entre nous qui sont encore en vie. Sur ce point, nous sommes d'accord. Tu as ma parole. Wafakaka Allah, Basim. Il n'y a plus rien à faire, frère. Va, sauf qui tu pourras. Il n'y a plus rien à faire. Eh ben, je vais sauver qui tu pourrais. Doucement. Tout doux, ma belle. Tout va bien. Tout va bien. Ton maître t'a confié à moi. Notre temple. Disons que ton maître est mort. Quoi qu'il y ait en dessous, je dois le voir de mes yeux, et quel qu'en soit le prix. D'où ce sang et ces morts. Est-ce cela qu'entendait Krabiha par préparer le chemin? Nihal, où que tu sois, prends soin de toi. Il y a beaucoup de soldats morts, plus que d'assassins, mais ils étaient plus nombreux aussi. Yaylay. Désolé. Je me doutais que t'allais pas trop kiffer le feu. Sauf peut-être en haut. En même temps, c'était un peu logique, hein. C'était un peu... on est un peu en train de niquer tout le gouvernement, tous les dirigeants de Bagdad. Donc c'est un peu logique, au bout d'un moment, on le paye, quoi. Toujours en vie, notamment Mador Rayhan. Quand il commence, on voit quelqu'un qui part dans une animus. Du tout, on n'a rien vu de l'animus. On est sur, pour le moment, aucune ref à ça, sauf un peu certains trucs esthétiques purs. Pas la bonne tenue, moi. Non, du présent. Non. Du tout. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh. Par contre, le costume est stupide. Oh, je suis obligée de le mettre. Oh, merde. J'en ai que deux. J'avais pas vu. Et cucu et frime. Faut que j'aille là-bas, ok. En faisant le tour par là, hein, oui. Concentration maximale. Ouais, bah on est vers la fin et j'ai pas envie de tout faire foirer. Y'a quoi d'autre ici? Oh, ça m'intéresse.
Regardez ça, par contre, on a ça. Ah, mais j'ai pas besoin, j'ai tué full. Ce n'est pas cela qui doit acquitter quelque chose d'extraordinaire en lui, mais le protège. Mais j'ai déjà lu ça, en fait. Mais oui, on a déjà lu ça. Ok, ok. Il y a quelqu'un ici. J'arrive pas à partir. Non. Non, je veux pas te parler. Voilà. On est là-bas. Je t'ai un stream pour sous. Oh, trop bien! Tu joues à quoi? Stream Discord sur Outer Wilds? Trop bien! Mais elle est en train d'y jouer! Elle a pas peur de ce spoil? Ton sort est réglé. Elle a fini! Oh! Ok, ok. Je ne suis pas colère, mais je manque de patience. Montrez-vous, et vous aurez une chance de voir le soleil se lever. Bah, j'ai ce qu'il faut, ça tombe bien. Bassim, comment? Alhamdoulilah. Chut, tais-toi. Je n'en vois pas d'autres. Viens, aide-moi à me détacher. Mais tu parles très fort. Tu parles très fort. Je peux pas. En fait, je peux pas, tu vois. Bassim, qu'est-ce que tu fais? Libère-moi. Bah, j'essaye, ça veut pas. Oh, punaise. Bassim, je te croyais à Bagdad. Où sont les autres? Salut, je suis passé il y a quelques jours quand j'avais commencé le jeu. Alors t'en es où? Tu l'as terminé? Même raison que ces hommes. Je sais la vérité maintenant. Ou pas. Là, je suis en train de le terminer, là. Et de ce qu'il abrite. Nos ennemis m'en ont parlé. M'ont poussé à le chercher. Car moi seul en suis capable. Toi? C'est pour ça que l'ordre a employé les Tahrid afin de faire tomber Alhamdoulilah. Ah, je me rappelle de lui. Parce que toi, tu es sa clé. La clé de quoi? Que les deux vous qui justifie un tel bain de sang. Ouais, fini. Ok, un à 100%. Ancien, depuis des générations. Ah, c'est vrai que malheureusement, il est un peu rapide à faire, je pense. Un peu le trop. Le protégé de l'ordre qui veut en exploiter les secrets. Le temple en abrite l'entrée. Mais Bassim, bien que ce soit interdit, j'ai cherché. Il n'y a aucun moyen d'y accéder. Alors je trouverai un moyen c'est... moi-même. C'est toi, aucun moyen. C'est ce que désire l'ordre, comprends-tu? Si ce que nous protégeons tombe en de mauvaises mains, cela tombera dans les... J'ai adoré. Ah, je suis content. Regardez autour de vous. En train de faire des énigmes. Oui, c'est les énigmes, nous. J'ai beaucoup aimé les faire, ouais. Je sais pas du tout toutes si faites, hein, mais... Si je parviens à acquérir le savoir qu'il comporte... J'aime beaucoup ce cela principe. Cela nous donnera peut-être l'avantage dans cette guerre sans fin. C'est le chemin à suivre et aucun autre. Pour ceux qu'on ne voit pas. Non, mais non, mais Bassim, t'es stupide, pourquoi tu as fait ça? J'ai fait la même touche que d'habitude, mais là ça met un coup normal au lieu de mettre le coup discret comme d'habitude. Oh, attendez, je vais essayer un nouveau truc maintenant, je vais le faire. Shukran, Bassim. Se fondre, oui, ça va bien marcher ici. Le temple. Oh, mais t'en es là, je reste. Oui. Personne ne se dressera sur ma route. Plus maintenant. Je suis de retour à Alamu. Je suis si prêt. Et on cherche les réponses. On cherche ce que l'ordre. Ce qu'on ne voit pas nous cache. On cherche en quoi on est si important. On cherche. Pourquoi il faut pas qu'on découvre la vérité et tout ça, tout ça. Et on cherche. Pas des hommes comme vous qui m'arrêterez. Nos mates aussi, hein. Il y en a d'autres devant. Je suis donc sur la bonne voie. Il est de dos? Oui, il est de dos.
Ah, sinon c'était foutu. J'ai raté. On recommence. Pas mal la sarbacane, j'ai pris que très tard, et ben c'est pas si mal. Je sais, je me moque des ordres. Tu as vu ce qui nous en a coûté d'arriver jusqu'ici? Tous ces hommes morts. Crois-tu qu'on aura droit à quelque chose lorsque nos maîtres auront trouvé ce qu'ils cherchent? Il y aura une récompense, peut-être. Bien. En tout cas, cela doit valoir une fortune. Alors pense à toutes les terres que tu pourrais acheter. Et les serviteurs. Vous allez faire, oui. Vous feriez mieux chercher, plutôt. On aura tous les idées plus claires dès que vous cessez. Ah, rien par ici. Bien raison, celui-ci. Il y en avait un que j'avais pas en de visu, mais c'est pas grave. Pour le gérer. Reste à voir si je peux réussir là où ces intrus ont échoué. Trouver l'entrée secrète. Non, je vais pas piller le coffre. Je vais garder pour tantôt. C'est d'où je viens. Quelle est cette magie? Oh! Un instant. Je connais ce symbole. Moi, je m'en rappelle pas. Les réponses! Ah ouais. Oui, donc c'est vraiment lui la clé, quoi. Ouh! C'est Nihal ou c'est Roshan? C'est Roshan, oui. Je t'avais dit ce qui arriverait. Dernière chance. Très bien. Alors, nous en sommes là. À nous. Si je te sers Bacan, hein? C'est ainsi que tu conçois une confrérie. La confrérie est un tout. Il n'y a pas de place pour les faibles, ceux qui se croient au-dessus d'elle. Et tu penses que c'est là mon intention? Réveille-toi, Vassim. Tu marches sur la voie de l'ordre. Les monstres que tu as juré toi-même de combattre. C'est leur mission que tu mènes pour eux. En mettant en danger ce que tu as prêté serment de défendre. Le libre arbitre. Mais je le fais pourtant pitbull au moment où elle commence. Comment puis-je défendre une chose dont j'ai été privé? Tu retires ta gamme pour le stream? Oui, pour le stream, oui. Non, je la retire parce que c'est plus immersif quand on a des cinématiques plutôt que d'avoir ma vieille tronche au milieu de la cinématique. Autant quand je joue. Mais je fais, hein. Voir, c'est l'autre. Ah, c'est peut-être ça. RB. Oui, c'est. Il doit forcément exister un moyen de la briser. J'ai pas vu la tour. Enfin, j'ai pas. Ah oui, c'est ça qui. Interaction après la porte. Ça marche. Je mettrai ma cam alors. J'ai plus d'endu. Je laisse confiance en toi. Je t'ai tout offert et tu m'as menti. Tu savais. La nuit où nous avons fui Yanbar, tu savais déjà la vérité. Je craignais seulement ce qu'elle pouvait augurer. Mais j'ai repoussé mes inquiétudes. Il le fallait. Tu n'étais qu'un jeune homme, seul,
et brisé, cherchant désespérément un guide, désireux de faire le bien. Ce désir est toujours là. Dernière phrase. Oh. Non mais vraiment. Non mais pas besoin de faire un sourd en plus. Et je trouve qu'il a pas beaucoup hésité hein. Soumets-toi. J'aime pas Basim, voilà. C'est pour le style le saut, j'avoue. Soumets-toi. Mais tu l'as déjà tué, il fait pas genre. Basim. Laisse-la. Viens. Elles se ressemblent un peu toutes les deux, non ? Je n'ai jamais souhaité cela. Mais il faut que je sache. Je ne veux pas te perdre au profit de ce que tu trouveras là-bas. Tu n'as pas besoin de regarder vers le passé pour savoir qui tu es, qui tu peux devenir. Le choix t'appartient, Basim. Aie foi en moi. J'ai essayé. Mais dis-nous, explique-nous pourquoi il faut pas qu'on le voit. Il est préférable de me contrôler. Bah ouais. Tu es comme nos. Franchement, elle est pas convaincante. Hein. Par ici. Basim, arrête de t'engueuler, s'il te plaît. Oh, les draps, ils font un peu. La tenue a fait un peu nawak. Je. Depuis le début, on dirait pas que Nihal, c'est un fantôme. Bah, c'est sûrement pas le cas, hein, mais. Genre, les autres PNJ ne lui parlent pas. Y'a que nous qui lui parlons. La clé. Elle apparaît toujours comme ça, de nulle part. On dirait vraiment qu'en fait, Nihal, elle n'existe plus. Hein. On m'a dit, faut que je vois. Attendez, ça c'est pour la miniature. Ah, il y a un peu de gameplay. Elle va nous suivre. Non. Mais non, elle est morte. Elle ne peut pas. Tu as bien vu. Oh, il y a plein d'artefacts. Encore ces objets. Je me demande quelle vérité ils recèlent. Quelles histoires ils peuvent raconter. Ce qui se trouve ici doit être très important. Pour ceux qu'on ne voit pas. Pour l'ordre des anciens. C'est tous les CD des anciens, moi, des autres Assassin's Creed. Où ma route m'a-t-elle mené ? Mieux vaut ne pas savoir pourquoi quiconque est arrivé ici. Non. Ça fait très alien comme construction. Mes yeux me jouent-ils des tours ? Waouh ! Est-ce que tu vois ça ? Nihal ? Je m'attendais pas trop à ça. J'aime aussi cool. Je suis là. Et Nihal, elle n'est pas vraiment là, hein. Cet endroit est ancien. Mais je ne sais pas à quoi il peut servir. Moi, si. Mais comment ? Ah ouais, la tenue de Dark Vador, ouais, mais je peux... Ah, je peux pas. Je n'en peux pas la mettre. Nihal. Bon, en même temps... Je m'inquiète pour toi. Mais elle est morte, Nihal. Regarde-la. Pour moi, Nihal, elle est clairement morte. Pour moi, elle n'est pas là. Elle n'est pas avec nous. Personne ne lui parle jamais à part nous. Je connais cet endroit. Nihal ? Oui, voilà, elle est clairement pas là. J'attends. C'est impossible. Voilà, je me doutais qu'elle était pas là.
Je m'en doutais, je le savais, elle n'était pas là. I knew it, j'avais compris. Pourquoi est-ce que vous connaissez ça? C'est une part de ta réalité, Vassim. Moi aussi, je suis une part de ta réalité. Par contre, je pensais qu'elle était morte. Elle n'a pas l'air morte. À chaque attaque. Ah, même à ce moment-là. Ah, c'est nous qui l'avons fait. Ah, c'est stylé ça. Je veux sortir de là. Comment? Qu'est-ce que tu es? Regarde. Vois par toi-même. Et là, ça nous chante Red, Red Wine. Oh. Les fameux CD qu'on avait vu. Enfin, l'un des CD. Enfin, c'est celui qu'on avait vu, je pense, non? Bon, voilà, il n'y a pas d'animus, mais il y a quand même un délire un peu de technologie bizarre. Qu'on le combatte le djinn là, au bout d'un moment, ça va bien. Faut lui péter la gueule au djinn là. Montre-toi! Tu oses te cacher de moi maintenant! Après tout ce que tu m'as fait subir! Ah, la bouche à bouche à peine. Ceux qui venaient avant, ça reste du assassin. Oui, c'est vrai, mais du coup. Le djinn de mes rêves. Les sortes de technologies, on les voyait que dans le moment du présent. Est-ce ce que j'ai vu? Les souvenirs d'une vie lointaine m'appartiennent-ils? Est-ce pour cela que le djinn semble aussi réel? Mon persécuteur, l'origine de toutes mes souffrances. Si c'est le cas, dois t'affronter. Non. Pourquoi? Oh, les gamins. Je vois ça. Le cauchemar un peu. Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est que d'habitude, ces moments-là, dans les Assassin's Creed, il me semble, ça fait longtemps que voilà, j'y connais mal la licence maintenant, c'est des moments quand le passé reprend le dessus et qu'on est plus dans le mood animus. Mais vu que là, dans cet opus, il n'y a pas d'animus, ça fait bizarre de voir ça. Mais il y en a peut-être un, du coup, c'est juste que... C'est juste que... Il n'est pas introduit, quoi. Je n'ai jamais compris la raison de ces apparitions, ni pourquoi ils me hantaient ainsi. Mais les souvenirs commencent à revenir. Une cellule glaciale. Et je supplie pour que cela s'arrête. Ok. Celui que j'ai été chercherait à se venger. Mais si je parviens à dépasser cette douleur, alors tout ce que je veux, c'est la paix. Il bouge même plus la bouche, hein. Le moment est venu d'y mettre fin. Oh. Les technos, ceux qui venaient avant, tu les voyais dans le passé. Ah ouais? Et les autres un peu dans le présent. Comme la pomme d'Éden d'Altaïr. La cellule. Ouais, c'est la vrai. La cellule. J'y suis presque. Pas c'est vrai, c'est vrai.
Le djinn. Je l'entends. D'accord, ouais, donc la techno est présente en fait dans le lore d'Assassin's Creed aussi depuis longtemps. Ok. Ouais, elle est passée d'assassin en assassin, quoi. Comme ça. Je te connais à présent. Et lui-même. Je te vois tel que tu es. Un souvenir écrasant d'une vie passée. Et c'est là que tu resteras. Dans l'or, les humains étaient faits par cette civilisation. Oh, ok, je sais pas. Coucou. C'est la fin. Non, Basim. Ce n'est que le début. Pour nous. Pour ce qui nous attend. Une meilleure compréhension du monde que nous avons laissé. Et de notre place. Toute ma vie, j'ai lutté contre qui j'étais. Qui je devais être. Et tu étais là. Tout ce temps. Cette partie de moi refoulée. Un reflet de ce que nous avons été. De qui nous serons encore. Tant de choses nous attendent. Un monde nouveau. Laisse-moi te montrer. Oh non, ça va spoiler les prochains jeux. Je ne te verrai jamais plus, n'est-ce pas? Je vais être seul. Tu n'es jamais seul. L'écran blanc. Comment? Combien de temps? Il ressort. Il y a encore du monde de vivants. C'est vrai qu'on a sauvé des gens. Et on a buté Rochad. Classe la tenue noire, dommage, elle bug un peu. C'est terminé. Tu as fait ton choix. Moi désormais de faire le mien. Mais elle n'est pas morte en fait. Oh, elle abandonne le credo. Non mais genre elle marche normale. Après ce qu'on lui a mis dans la gueule. Wadahan, Roshan bint Lahad. Ce fut un honneur. Approche, Basim. Nous solide. Avons à parler. Oui, c'est un peu introduit bizarrement, en plus. En effet, Mentor.
Non mais arrête de chercher des mentors partout, mec, tu vois bien que ça se finit mal. Appelle-le juste Bobby, enfin, ou bref, Jude, je sais pas, mais arrête. Ah bah ouais, c'est, ça va être un peu ça, Bloody, finalement. Oh, joli. Un bel écho. D'avoir tué Roshan. Le souvenir que j'ai enfoui de cet endroit, de cette prison, des supplices que j'y ai endurés, il s'est gangréné des années, dans l'obscurité et les rêves, sous l'apparence d'un djinn qui me hantait, me tourmentait, jusqu'à en dévorer mes heures d'éveil. Mais quelle prison ? J'ai affronté mon passé. Par contre, ma souffrance, je l'ai accueillie, j'ai mué. Changer de peau, jadis et ailleurs. Mais je suis de nouveau entier. Je m'en souviens. Quant à ceux qui désiraient m'asservir, s'il en est encore qui hante cette terre, j'ai hâte de les retrouver. Mais d'ici là, un nouveau monde s'ouvre à moi. Et voilà. Oui, moi aussi, ça me fait penser à Phasmojin. Alors, alors, il y a des trucs que j'ai pas trop pigé. Pourquoi il se fait attaquer par son aigle à la fin ? Pourquoi Roshan, ils l'ont pas juste tué ? C'est bizarre un peu. Je comprends pas ses choix. Et pourquoi Nael ? Genre, pourquoi elle avait cette apparence ? Bon, non. Mais peut-être dans un DLC, tu vois. J'ai besoin de faire un avance rapide pour voir s'il y a une... s'il y a une scène post-crédit. Mais c'est très long sur un jeu, un générique. Il y en a pas. Ah, merci. Moi, je vais pouvoir couper la VOD. C'est très gentil de me l'avoir dit. Des bisous, VOD. C'était... le dernier épisode de notre let's play de Assassin's Creed. Bisous. J'ai bien aimé.